Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Van Kerstein de Total War Coliseum. Et aujourd'hui je vous retrouve pour Total War Warhammer 2 avec Krogar et les Ultimes Défenseurs, épisode 26, l'héritage des Vences. Ce sera le dernier épisode de cette série, du fait qu'on arrive à la fin, j'ai avancé un petit peu depuis le dernier épisode, j'ai détruit toutes les forces Skaven. Ils se sont cassés les dents sur Teotica. Bon, j'ai perdu la côte des serres pour vous dire. Parce qu'ils m'ont envoyé 3 armées complètes sur 4600 Skaven, j'en ai tué à peine 1100. Après, ils ont dispersé un peu leurs armées, donc Teotica ensuite a massacré une armée qui est arrivée. Et derrière, j'ai fait une embuscade avec l'armée que vous voyez ici, qui a recolonisé la côte des serpents, celle de Paxo. Et on est en train de attendre patiemment la fin du rituel qui va se faire. Et après, on va aller intervenir pour prendre le contrôle du Vortex avec l'armée de Krogar actuellement à Sudenburg. Voilà. Et au niveau technologie, ce sera probablement la dernière. Mais dans 3 tours, on recherche les séquences d'expansion pour avoir plus de croissance. Même si c'est pas trop utile pour le moment. Mais bon. J'ai essayé de faire un rite pour voir ce que ça donne. Ah, ça aurait pu être pas mal si on l'avait eu contre les armées Skaven. Mais bon. On va le faire quand même, ça peut toujours être utile. Si jamais on décide de faire des choses potentielles. Allez, fin du tour. En tout cas, cette campagne elle aurait été riche en rebondissements. Je me serais bien amusé. J'espère que ceux qui, vous qui avez suivi la campagne, vous avez aimé aussi. Et que vous ne regrettez pas trop que ça va se terminer. Donc là, je tourne vendredi. Donc, j'ai fait des vidéos sur YouTube. Je vais faire du Attila 2 épisodes pour terminer la campagne avec l'Empire romain d'Orient. En attendant Throne of Britannia qui arrive le 3 mai. Je compte prendre un royaume irlandais si c'est possible. J'espère qu'il y en aura. Normalement, oui. Et au pire, en même temps que je lancerai la campagne avec Throne of Britannia, je lancerai avec les Rois des Tombes aussi. Sur cette campagne, du Vortex. The great warding is restored. Energy flows unhindered through the geomantic web. Allez, ça s'active, c'est bien. But the vortex remains in peril. The horned god of the rat spawn threatens to pierce the mortal veil. Forces gather on the Isle of the Dead. Where the greatest battle of our age will be fought. La fameuse bataille finale qui arrive. Et à mon avis, celle-là, elle va pas être facile. Ces traîtres de prophète Griskaven se rassemblent dans l'œil du Vortex, monseigneur. Il faut à tout prix faire échouer leur tentative d'invocation du Raton. Attaquez et obtenez le contrôle du Vortex vous-même. La bataille finale. Remporter la bataille suivante, la bataille finale. Le grand bouclier est renforcé, les énergies géomantiques affluent de nouveau. Nos nombreux ennemis perçoivent que leurs plans sont en péril et se rassemblent pour vous arrêter. Mais votre attention doit se tourner sur les rejetons rats qui souillent l'île des morts et le centre du clan. Sous le carcan du Conseil des 13, les clans des prophètes gris se battent pour la domination du Vortex. Utilisant un pouvoir volé grâce à tous les rituels accomplis jusqu'à présent, ils ont l'intention de transformer le Vortex en un portail afin d'invoquer leur dieu cornu depuis le royaume de la ruine. Les rejetons rats doivent être purgés et le Vortex restauré. C'est la volonté des anciens. Préparez-vous à la bataille ultime. On a 5 tours pour la faire donc. Voici la première armée qu'on va devoir affronter de ces Skaven. Je pense qu'il va y en avoir 2. Donc il y a des guerriers des clans. Ouais, ça va. Ça c'est gérable. Après c'est de l'élite. Il faudra faire attention à ça. Ils ont 2 catapultes. Il faudra s'en occuper. Et évidemment, on a un problème de magie, sinon c'est pas drôle. Et le rituel d'alignement est bouclé. Toute chose a une fin. Krogar. Voilà nos chances. On a une chance sur 3, je dirais. On a des gros héros qui se sont battus, qui ont fait leurs armes. On a des gardiens du temple expérimentés. On a des fonteurs à sang froid à lance. Un bastiladon.
On a de beaux monstres, donc on va tremper le scavenger. Le scavenger, il a quoi? Il est à pied, ok, donc ça c'est gérable. Par contre, derrière, Malekith sur d'autres dragons, ça va être chiant. Elle doit être à cheval, je pense. Ou sur Pégase Noir. Qu'est-ce qu'ils ont? Ok, donc... Hallebarde, ils ont ça, il faudra faire attention. Le reste, c'est du bretteur de base, donc je pense que quand nos gardiens du temple, ils devraient pas trop s'en tirer. Ça va être dangereux, par contre. Ok, ils ont de l'arbalétrier. Des chars. Et qu'est-ce qu'il a, l'elfe? Le haut elfe. Ok. Un magicien, il a un truc en spadassin bon en contre, d'accord. Des lanciers anti de base, des gardes de lauterne, ok, des archers, prince dragon. Bon, ça c'est gérable. Donc, je pense que globalement on peut la gagner. Hein. Ça c'est certain qu'on va la gagner. Donc on y va, on se retrouve pour la bataille du vortex et son contrôle. Ok, donc là maintenant, ça va être la guerre totale dans cette bataille. Alors, ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont placé comment leur arme? Ils ont mis leur catapulte en retrait. Ils ont une portée jusque... Alors, je sais pas si elles ont une grosse... Ce que je vais faire, j'ai déjà placé mes deux monstres à baliste. Lacoste, je vais aussi le mettre là. Putain, j'ai pas de vent de magie, ça va être compliqué ça. Krogar et toi et vous au centre. Il va nous falloir être percutant dans le trait de jeu. Ça va être la stratégie, percuter le prophète gris. Et envoyer les Saurus les massacrer. Ils ont pas d'anti-infanterie, donc ça nous laisse un avantage. Je vais tout de même garder mes Croxigors en réserve. Et le Bastiladon cristal de renaissance pour soigner. Ça peut toujours être utile. Donc, à l'attaque. Les Skaven ont presque terminé leur invocation, monseigneur. Il reste une dernière chance de les vaincre au combat pour déjouer leur plan. Je vais tirer sur les catapultes. Ok, on a touché, je crois. Il tire sur l'infanterie, ok. Ouh, on commence bien. Je vais pas traîner, on va avancer. Les cornus, pareil. J'essaie de toucher leur artillerie dans le but de la mettre hors d'état de nuire. Et je vais activer mon chargement. Évidemment, là, les Saurus là, continuent de déguster. Je vais les faire avancer. Bon, ça va. Ils ont une des catapultes, visiblement. Wow. Oh. Donc là, je vais tout de suite rentrer dans le tas, abattre le prophète gris. Je vais lui mettre un petit boost de vitesse pour atteindre sa cible. Voilà, on va foutre le bordel ici. Je suis en train de contourner avec mes scaven, avec mes lézards, avec mes cornus, pardon. Alors, on va intercepter leur catapulte. Là, faut pas que je perde mes cornus, sinon la bataille va être plus compliquée là. Ok, ici on a ça. Les balises qui tirent, qu'est-ce qu'il nous reste en réserve? Il nous reste les croxies. Krogar qui est en train de cartonner. Je vais garder les mains des dieux contre les héros ennemis. Ok, alors le chef Husking, je l'ai oublié aussi. Je vais commencer à ramener du renfort. Nos cornus là, ils vont s'occuper de ces frondeurs, c'est bien. Là, ça commence à se barrer sous la terreur. Je vais dire à Volver et à Krogar de s'occuper du prophète gris Skiprich. Bon, là on est en train de les écraser.
On va pas se le cacher. Alors, on a deux unités qui ont pris un peu de dégâts, donc on va les soigner. Et il est où le Bastiladon Cristal de Renaissance? Il est là. Je vais le buffer aussi là-dessus. Ok, c'est bien. Et d'un. Qu'est-ce que c'est? Malikite. Les gars. On s'occupe, on s'en fout des Skaven là. On va se mettre en position, on va mettre nos artilleries, nos Saurus avec artillerie là-dessus. Alors ils ont quoi? Des arbres à détrier, ok. On va mettre la gomme. Le but ça va être de les pilonner là. La première armée Skaven, là, ça a été facile, hein, qu'on se le dise. J'ai pu régénérer une unité, j'ai l'impression. Donc on va les laisser venir. Ils ont des lanciers, ok. Alors, ce que je vais faire, je vais me placer ici, et je vais me placer là, et on va pilonner. Oui, oui, ça va, on a compris. Les Croxy, vous vous mettez en réserve. Krogar, et toi, là. Oh, il y a leur Tristorium qui commence à déguster, on va les laisser faire. On peut contrôler... Donc celui qui est là contrôle le Vortex. Et ils prennent cher avec l'artillerie. Feu à volonté, allez. Non, vous allez me dire que vous pouvez plus tirer, vous rigolez. Attends, attends. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Wow. Wow, wow, recul, replier, replier. Alors, toi, tu m'as saoulé. Tu vas te prendre ça. Voilà. Alors, tu la ramènes moins, hein, petit con. Oui, bah, l'ennemi a des monstres, c'est logique. On est équipé, de toute façon. Il faut que vous visiez Malekith, hein. Eh hey, les gars, ça, le roi sorcier est pas content. Alors, Krogar, t'es où? Ah, c'est la fameuse danse des lames, c'est ça? Ok, vous chargez. Allez, les Saurus. Oh mon dieu, il a deux dragons, mais... Oh là là. Ah, Krogar, vas-y, fonce. Waouh, wow, le régiment il se fait exploser là. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à utiliser ce pouvoir sur Malikith. C'est bon. Là, je... Ok. Ah. Des sang-froid, attention. Je vais tout de suite faire une explosion guérisseuse ici. Voilà. Malikith est déjà en train de mourir. Prendre cher. Le dragon noir, n'en parlons plus. Là, il se casse les dents sur notre dispositif, c'est bien. Les Croxigors qui n'ont toujours pas intervenu, au passage. Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas? Des épées à deux mains. Oula. Explosion, explosion de soins, s'il vous plaît. Ok, c'est bien. On continue. On va mettre un petit peu de magie ici. Wow, pardon. Je vais envoyer Krogar sur l'hydre de guerre. Et on va reculer cette section qui a bien dégusté. Alors là, je vais essayer de booster, re-soigner mes hommes. Allez. Wow. Alors, les monstres, c'est bien. Mais il faudrait que les balistes s'occupent de ce dragon noir qui revient. Je vais envoyer le prêtre aussi. Je vais essayer de faire un petit bonus. Allez. Voilà. On va leur mettre aussi une comète. On va leur mettre la blâme. Hein.
Et alors ça, on va le soigner. J'en vois pas les croxy parce que c'est de l'anti, ils ont de l'antivarge. Qu'est-ce qu'il ramène là? Oh, Krogar, il souffre quand même, hein. Alors, il faut abattre ce dragon noir. Allez, Krogar, tu peux le faire. Volver, là, il est un petit peu en difficulté. Je vais ramener les 100 fois dans le dos pour la soulager. Toi, tu vas me charger ça. Je ne vois plus ma liquide. Oh, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, il y a des troupes qui se barrent là-bas. Ok. Allez. Bon, j'utilise pas toute mon armée, j'essaie de l'économiser au maximum. Donc, ce secteur-là a pris beaucoup de dégâts. Je vais les soigner. Ces pouvoirs du vortex sont quand même très utiles. Donc là, j'ai commencé à envoyer les croxigormes chargés là. Ok. Eux, ils vont revenir dans le dos, mais là, on va les finir. Allez. On va les avoir, on peut les avoir. Et c'est que le deuxième ennemi hein, au passage. Les croxy qui vont charger, ça y est. Alors. Ok. Je crois que les elfes noirs ont compris ce qui va leur arriver. Maintenant, on va devoir se concentrer par là. Bon, c'est le flanc qui a le moins souffert, qui a presque intact, c'est bien. Je vais repositionner mon artillerie. Les hauts elfes pénètrent sur le champ de bataille, monseigneur. Ok. Arrangez vos défenses, car les fils du Tuan cherchent à contrôler le vortex dans une... Oh bah, ils peuvent toujours courir, hein, les fils du Tuan. Hein. Tant qu'on les met en déroute, c'est l'objectif. Bon, lui, oh, il m'énerve, là. Attendez, je peux tenter une explosion là. Allez, chiche. Oh, eh ben ça, il est bien dégueulasse. Qu'est-ce qui nous ramène? Encore les tristes lames qui reviennent, ouais. Explosion guérisseuse, vite. Krogar, t'as une potion de soin, je crois, ou pas? Non, c'est pas toi qui l'as, c'est qui? Lui, il l'a pas. Alors, qui c'est qui a le moins d'effectifs ici? 37, ça me paraît peu. Et toi? Allez, on va les harceler à coups de magie. Ils vont comprendre. Voilà, tiens, mange-toi ça. Oh, ils sont chanceux là. Les cornus sont là. Mais on peut pas en finir tranquillement avec eux sans qu'ils embêtent tout le monde. Allez, Volver, occupez-vous de ça. La pente, là, on va avoir l'avantage. Il faut continuer de soigner nos hommes. Qu'est-ce qu'il y a à déguster encore? Ici, je crois. Oh, c'est marrant. Bon. C'est fini. Je vois pas Tyrion encore. Allez, espérons que ça passe. Oups, pour le régiment de lancer, ce qu'il a mangé, il a pas aimé. Hop, là on a réussi. Vous, vous faites ça, on va contourner. C'est sûrement le raccord nu qui parle en fait. Qu'est-ce qu'il nous envoie? Des archers, ok. Là, c'est un magnifique carnage. Je vais essayer de les contourner, là on verra. J'ai des unités de réserve. Donc là, les deux rois armés, ça est réglé. On continue. Une petite explosion massive là-dedans. Comme ça, ça peut toucher les copains. Voilà. Ça va être la charge ici. Go. On prend pas trop de pertes, c'est bien.
Allez. Je vais commencer à avancer les monstres aussi. Ok, on en veut un Krogar visiblement. Krogsigor à l'attaque. Allez. Hop. Le soir il s'est fait démolir. On est en train de leur tomber dessus. Ah, voilà le reste de l'armée. Et c'est... Oh, il y a du lourd. Il faut abattre ça. Boum. Bon, au moins on s'est occupé des unités de Bichard. Donc en gros, il y avait la première armée. Okay. Ah, c'était deux petites vagues, d'accord. Vous repliez. L'artillerie ici. Le cristal là. Ok, donc là on a une partie de l'armée, la première avant-garde qui part sur des routes. On va bâcher, on va utiliser les pouvoirs, hein, on va pas se cacher la tête. Ah, une nouvelle explosion, moi je veux bien, sur ça, surtout la garde phoenix. Eh ben voilà, en plus ça touche les cavaliers, c'est magnifique. Non, vous reformez la ligne là. Et toi, et vous, vous soignez ça. Oh. Ils arrivent lentement mais sûrement. Tyrion il est là à cheval, donc Krogar va s'en occuper. C'est du lentilarge, normalement ça devrait suffire. Mais il faut que je soigne. Alors il est où lui? Alors toi t'es là, tu vas me soigner ça. Et tu vas me remettre une explosion dans la tête à ça. Parce que là c'est deux unités orbitables. Voilà. Il reste plus grand chose, mais bon. Allez. Tu veux venir, vas-y. Ok, il nous reste pas mal d'unités encore, c'est bien. Là, je garde ces unités-là en réserve, vu qu'elles ont bien souffert. Ah, ça, c'est le sort du phénix. Vous me chopez ça. Krogar, tu restes là. Toi, tu vas me choper ces cavaliers. Ok, on va s'occuper de ça. Krogar, tu vas t'occuper de ce dragon solaire. Là, c'est bien, ça tient. On va garder les 100 francs en réserve pour aller attaquer ce dragon lunaire. Oh, ils font mal leurs unités de tir, là. Mais bon, une petite explosion sur les gardes maritimes, ça va les calmer. On va t'occuper de Tyrion, toi. Ah, le dragon lunaire, il est en train de mourir, mais à vitesse grand V. Voilà, ça c'est fait. Beau travail. Les 100 francs, vous les chargez les archers. Krogar et les Croxy ensemble sur Tyrion. Ok, défense ultime. Nouvelle explosion sur ces gardes maritimes de Leterne. Voilà. L'explosion. Voilà, ça c'est réglé. C'est quoi ça? Ah, c'est le mage de haute magie. Occupez-vous de ça vite. Les archers là, ça va être réglé. Il faut s'occuper de Tyrion là. Oh là là. Ah, il est presque mort ce mage. Si vous pouvez le finir, ce serait cool. Il a une douze abruti. Ok. On se replie sur les hauteurs. Organise une attaque ultime pour se saisir du vortex. Continuez à vous battre. On va se replier en haut. J'espère que c'est pas une grosse armée. Bon là, c'est toute l'armée qui attaque. Alors ils ont quoi? Des vermes de choc. Ils ont une abomination de Malphos, une roue infernale, que du truc sympa quoi. Ok, on soigne. Allez. Ah, je peux plus les soigner, d'accord, parce que oui, il y avait du taux de limitation pour les PV.
Oui, t'as raison. Alors, qu'est-ce qui peut être dangereux ici? Bah ça, déjà... Non. J'avais vu des vermines de choc à Albert. On va commencer par ça. Hop. Ok, donc ça, on les a eus. Il faut continuer, hein. Les monstres, on va les laisser là. Alors, qu'est-ce qui a pas été soigné? Ah bah vous là. Vous n'avez pas été beaucoup soigné en direct. Et ben voilà. Ok, on peut relancer une explosion. On va le balancer où? Oh merde, j'ai oublié des gens. Là-dedans, vite. Ah bah, le prophète Gris, tu peux faire toutes les exhortations que tu veux à tes gars, c'est pas comme ça que tu vas les motiver, hein. Oui, bah, t'as raison, mais... Ton petit chien aussi, hein, mais je comprends rien à ce que tu dis, c'est pas grave. Allez, on va soigner nos sang-froids qui sont encore en vie. Et je vais régénérer aussi le Croxila. Pas qu'il était régénéré encore. Ouais, il commence. Allez, on continue de les exploser à distance. Voilà. Une tête s'est complètement fait annihiler. Ils ont un prophète là-bas. Ok, un technomage. Nos balistes là. Il faut la volonté sur l'abomination. Le prêtre, est-ce qu'il peut balancer? Il a des sorts à porter pour. Je vais mettre Croquer sur la butte, j'ai peut-être une idée, je vais tenter la capacité main des dieux. Ils vont tenter de nous contourner, ce qui est logique. Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai jamais dit. Ah, c'est franchement débile que les falaises donnent pas des bonus. Mais bon, bref. Alors, qu'est-ce qui reste là qui peut être gênant? Bah ça. Allez, vise-moi ça là. Ah non. Allez. On va flanquer avec les monstres, dont le fameux Bastila donc avec Renaissance. Ok, ils vont commencer à nous harceler au tir, c'est bien. Ils ont le lance-flamme à Malpierre. Allez, on va balancer la foudre. Croquer, il s'est lancé dans la mêlée. Allez, on charge, tout le monde charge. Go, 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 go. On traîne pas. On fait une explosion pour essayer de limiter les dégâts. Voilà. L'escabonne, ça va tomber, ça va tomber. On va charger ça. Il faut s'occuper de ça. Hein. Lui, le prêtre, là, il est en train de gagner, mais pour combien de temps, j'en sais rien. Toi, tu vas me charger ça. Vous, là, vous me chargez là-dedans. C'est des guerriers d'éclat à bouclier. Oh. Vous deux, là. Par là. Ils sont complètement encerclés, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Là, on est en train de piétiner. Moine enfonceur de la peste. Les rois Ogo qui s'enfuient sous la terreur de la charge des dinosaures. Ok, l'abomination de Malphos est en train de déguster. Eux, ils vont déguster. Voilà. Une petite boule de feu là-dessus. Je t'ai dit de tirer là-dessus, tu peux. Voilà. Croquer, vas-y, occupe-toi de ça. Toi, occupe-toi de ça. Il faut les empêcher de se reformer. Hein. Il nous reste Volver aussi qui est en arrière. Là, c'est la débandade totale chez les Skaven. Je suis en train de m'occuper de ces lance-flammes à... ces lance-feu mal-flamme. Toi, tu vas te prendre une explosion. Hop. Parfait. Occupe-toi de la roue, toi, vite. Le prêtre, il est où? Ah, t'es là. Balance-moi ça, balance-moi une comète, là, s'il te plaît. Une convergence harmonie sur Volver aussi. Ouais, c'est ça. Tu te battras une autre fois, t'as raison. Faut pas perdre Croquer, hein. Hop. Je crois que c'est gagné.
Il reste quoi encore qui revient? Moi, je crois qu'on a perdu aucune unité. Oh, l'abomination qui revient, mais sérieusement. Bon, bah, je crois que c'est gagné. Pfiou. Ah, bah, fallait pas nous chercher aujourd'hui. Hein. On a défait des Skaven, des Ozel, des Elfes Noirs. Que demande le peuple? Krogar réussit à l'emporter contre la conspiration des Skaven du clan des Prophètes Gris. Et a réussi aussi à défaire Malekith et Tyrion qui se sont joints à la bataille. Du coup, les hommes lézards sont maîtres du vortex. A horned god banished, rat spawn cleansed from sacred shores. The vortex is secure, the matrices of the great warden enhanced. But the vortex has new, cold-blooded owners. This was always part of the plan. The mage priests read it in the stars long ago. Now the next stage can begin. Commence the purge. Hey, cette espèce marine à croire des hommes lézards. Malgré les efforts de vos ennemis, votre volonté s'est imposée, le grand vortex vous appartient. Votre triomphe est tel que nul ennemi ne pourra plus jamais menacer le grand enchantement qui protège le monde contre les forces du chaos. Profitez maintenant de votre gloire, pendant que vos ennemis se tairent de peu. Vive le vainqueur. Vous pouvez commencer une nouvelle campagne, ok. On va voir l'historique. On a gagné ça. Ancien prêtre mage Slan. Donc ancien, je sais plus c'est pourquoi. Incarner les hommes lézards et remporter une campagne en très difficilement légendaire. Et l'autre c'est prêtre Slan, c'est pour la magie. Vous savez quoi, je vais juste regarder quelque chose et je vais vous laisser là. Oh, en fait ça va, Krogar, il n'y a pas eu tant pire que ça. J'ai juste regardé si l'autre il peut mettre une dernière compétence. Oh putain. Bon, ça sert à rien. On a gagné. Donc moi je suis content. Je la continuerai un petit peu tout seul. Je vais essayer de faire juste les success team. Hein. Je vais pas vous embêter avec ça. Et donc c'est le dernier épisode du coup de cette campagne, comme j'ai réussi à l'emporter. Et du coup, je vais vous pointer la prochaine série sur Warhammer Total War avec cette ville. Du coup, certains vont commencer à deviner de quoi il peut s'agir. Je n'en dirai pas plus. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser von Karstein sur Total Warhammer 2 avec les hommes lézards, ultime défenseur de Krogar. Je vous dis à la prochaine.